Nous allons donc vous parler de la troisième agence pour Air Burkina qui s'est ouverte pour améliorer les prestations de services aux clients, dénommée Baobab. L'agence donc est située au quartier d'Apoya de Ouagadougou. Nous la découvrons tout de suite avec Urbain Benito Sommé et Nathalie Savadogo Nabaloum. Une agence pour mieux répondre aux attentes des clients. Située sur l'avenue Dimdolosom, non loin du rond-point des Nations Unies, cette nouvelle agence devrait répondre aux exigences de la clientèle. On a voulu cette agence plus moderne pour mieux être plus près de nos clients. La particularité de cette agence, c'est que, un, elle est bien située. Deux, comme je l'ai dit, vous avez un parking assez vaste pour les clients, pour se garer, contrairement à l'agence de Kwame Nkrumah. Vous avez aussi un espace qui permet de recevoir les clients, ce qu'on appelle les clients importants, et puis les corporates aussi, c'est-à-dire les sociétés qui sont en compte avec Air Burkina. La diversification de son réseau de distribution à Ouagadougou s'inscrit dans la politique d'Air Burkina. À l'occasion de cette inauguration, la compagnie a reçu une distinction. Une distinction qui marque l'appartenance d'Air Burkina à l'IATA comme membre à part entière. Et nous avons d'autres ambitions pour cette compagnie. Et ça rentre dans le cadre d'une politique bien calée. Et je pense que dans quelques mois, on parlera d'Air Burkina comme une des meilleures compagnies. Parce qu'aujourd'hui, c'est la plus ancienne, c'est la plus fiable. Au passage, nous sommes déjà certifiés IOSA. Nous avons plusieurs autres certifications. Nous avons une reconnaissance internationale dans toutes les instances aéronautiques et des compagnies d'aviation et des réunions des compagnies d'aviation à travers le monde. Air Burkina est la troisième compagnie d'Afrique, après les compagnies capverdiennes et camerounaises, à recevoir cette distinction.